Super. Bien, donc dans cette session, nous allons parler de la sécurité pour les gestionnaires de tracker, de vos power trackers. Et déjà avant de commencer, nous allons partir d'une généralité et d'un fait qui s'est produit tout récemment. Allô, il y a un micro allumé? OK. Donc, nous allons partir d'un fait qui s'est récemment produit. Et il y a le ministère chargé de l'information sanitaire qui a subi une attaque, un hack. Et il y a de cela déjà deux mois. D'accord? Donc, ce qui s'est passé, c'est que suite à cette attaque, le ministère irlandais chargé de fournir les assurances santé et a eu des difficultés à fonctionner. Donc, des données sensibles avaient été consultées à leur insu et il est fort probable que ces données ont même été copiées. Et les pirates, en plus d'avoir hacké le système, se sont permis de crypter toutes les données qu'ils avaient trouvées. D'accord? Et maintenant, ils demandent moyennant un montant qui doivent être versés pour qu'ils déverrouillent et qu'ils lui donnent l'accès à ces données et au ministère. OK? Donc, autre conséquence de cette attaque, c'est que plusieurs services ont été paralysés au niveau du pays et les tests sanguins ont été retardés. Plusieurs rendez-vous ont dû être annulés. Et en estimant le coût, et on a constaté que le coût de cette attaque et ce qui a perdu le pays est de 100 millions d'euros. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Tout ça pour une simple attaque, une cyberattaque. Okay? Et actuellement, il y a un poste de directeur du Centre national de cybersécurité qui n'est toujours pas encore pourvu. Donc, ce n'est pas encore exactement ça. Et tout ça pour vous dire que la sécurité de votre système d'information est très, très, très primordiale. C'est un facteur, bien, c'est quelque chose que souvent on néglige, entre bref. Et généralement, ce qu'on voit, c'est que c'est plus les gens préfèrent dès qu'ils ont implémenté le système et que le système tourne. Et l'aspect sécurité proprement du SI est mis aux oubliettes, c'est-à-dire ce n'est pas souvent abordé. Okay? Donc, l'objectif de cette session, c'est que nous allons beaucoup discuter de l'implémentation d'un plan de sécurité de votre système d'information. Et si on doit discuter sécurité du SI, ça peut nous prendre toute une semaine. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons juste aborder ici des grandes lignes et les différents aspects qui peuvent vous permettre déjà de démarrer, de commencer quelque chose en matière de gestion de la sécurité de votre système d'information. Donc, on va expliquer en détail en quoi consiste cette gestion de la sécurité. Et nous allons voir les différents outils que vous pouvez vous approprier afin de bien implémenter ce plan de sécurité. Bon, le problème que nous voyons souvent, et lorsqu'on implémente un programme tracker, c'est que ce programme requiert des données à caractère privé, qui sont très sensibles et bien sûr qui nous sont très précieux. D'où la question de confidentialité et qui revient systématiquement. Et comment devons-nous protéger la confidentialité des personnes pour lesquelles on saisit les informations? Et nous avons aussi le problème d'intégrité de la base et de sa disponibilité. Et en anglais, c'est ce qu'on appelle les FIA, donc pour la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Et le plus important, et lorsque vous implémentez aussi votre système tracker, c'est de s'assurer aussi de la disponibilité du système. Et donc, pour cette disponibilité, vous devez mettre tout ce qui est nécessaire et pour vous assurer que les utilisateurs ont toujours accès au système. Et sinon, bien sûr, il y aura de gros problèmes. Et nous avons aussi le risque de perte de données ou de corruption des données.
qui n'est pas mineur. Donc, c'est un problème assez récurrent. Il faut aussi prendre des dispositions pour que cela n'arrive pas. Et, un exemple, il y a dans un pays d'Afrique où même une loi a été votée à ce propos. Et lorsque vous perdez une donnée, ou bien lorsque vous perdez des données dans votre système d'information et que vous n'avez pas justifié et que vous avez fait tout ou bien vous avez tout mis en place pour éviter que cela n'arrive, et vous risquez même d'être emprisonné pour ça. Donc, il y a ces lois qui existent dans quelques rapides, en effet. Et autre problème, c'est que la récupération d'un système compromis peut être très coûteuse. La récupération des systèmes compromis peut être très coûteuse. Et juste même prenons l'exemple que je viens de donner tout à l'heure, du ransomware. Donc, on hack votre système, on l'écrypte, on vous demande un montant pour vous aider à le décoder. Donc, ça peut être très coûteux. Et même si ça n'a pas été hacké, pouvoir retrouver les données antérieures qui ont été saisies, ça demande un certain financement. Et donc, c'est vraiment, vraiment très coûteux. Et c'est des coûts pour lesquels on peut s'en passer. Donc, en tant que responsable de votre système, vous avez intérêt à vous soucier de cela. Et ce n'est pas forcément nécessaire que vous soyez un IT ou bien quelqu'un de chevronné en matière de sécurité, de SI, pour implémenter ou bien pour considérer cet aspect-là. D'accord? Et il y a le personnel, il y a les outils nécessaires et vous pouvez déjà coordonner, c'est déjà pas mal. Les bonnes pratiques en matière de sécurité. Donc, généralement, les IT et les développeurs et implémentateurs d'IHSP ont souvent ce réflexe de mettre la sécurité dans tout ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils ont les bonnes habitudes lorsqu'ils implémentent quelque chose, lorsqu'ils programment quelque chose, ou bien lorsqu'ils font un paramétrage. D'accord? Et ça, c'est ce qui est, disons, ça, c'est le on dit, c'est ce qui est là par défaut. Mais cependant, il y a un challenge que vous, en tant que gestionnaire et du SI, doit prendre en compte. Et c'est qui doit s'assurer que, effectivement, et les développeurs ou les implémentateurs suivent ces différentes réglementations ou bien appliquent et les normes sécuritaires qu'il faut. D'accord? Il ne suffit pas de supposer et il est très important de s'assurer qu'effectivement, et dans l'ensemble, et les bonnes pratiques sont vraiment exécutées et les outils nécessaires à la sécurité sont utilisés comme il faut et que tout le monde a fait son travail pour améliorer les performances de vos systèmes. D'accord? Donc, pour ce faire, le gestionnaire aura besoin d'élaborer ce qu'on appelle un plan de gestion de la sécurité. Et donc, un plan de gestion de la sécurité, vous pouvez trouver déjà un modèle qui est là et qui a été édité par l'Organisation mondiale pour l'électronique et l'ingénierie. Et ça s'appelle ISO 27000. D'accord? Donc, il s'agit d'une norme qui est là, qui spécifie les différents aspects que vous devez prendre en compte pour faire un plan de sécurité de votre système d'information. La sécurité, vous êtes obligé de le prendre au sérieux. Et vous ne pouvez pas dire, par exemple, que dans votre système d'information, il y a la sécurité qui est, et la sécurité est là. Sans que vous ne disposez d'un plan de sécurité clairement et décrit, clairement élaboré. D'accord? Quelqu'un qui vous dit que le système est sécurisé et qui n'a pas un plan de sécurité, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et donc, les différentes étapes d'un système de gestion de la sécurité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas spontané dans la plupart des institutions ou des pays. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens hésitent à implémenter. D'accord? Et pourtant, le plus simple, c'est déjà de commencer quelque chose, même de basique. Déjà, quand vous partez d'un point, et après quelques temps, vous arrivez à quelque chose de plus optimal, quelque chose de plus efficace. D'accord? Et donc, pour commencer, par exemple, vous pouvez déjà élaborer un document, et une déclaration de sécurité de haut niveau.
Et c'est un document de 1 ou 2 pages maximum dans lequel vous allez énumérer les grandes lignes de votre politique de sécurité, de votre plan de sécurité d'ici. Et vous aurez la portée, les principes, les engagements, etc. Nous allons y revenir plus en détail. Et vous devez aussi surtout nommer un responsable de la sécurité du SI. Encore une fois, et c'est quelque chose qui manque souvent dans les institutions, mais il faut en prendre compte. Et le responsable de la sécurité du SI, nous allons y revenir, et d'abord doit avoir un profil senior, c'est l'idéal. Parce qu'il faut quelqu'un qui maîtrise déjà le système, qui comprend déjà comment il marche. Et c'est en fait au moins qu'il pourra vraiment appliquer les bonnes pratiques de sécurité appropriées pour les SI. Et autre chose, c'est que vous devez toujours considérer dans vos étapes d'implémentation de votre plan de sécurité du SI, c'est d'aborder l'aspect sécurité dans la plupart de vos réunions. Donc, quand vous avez des réunions hebdomadaires ou bien mensuelles de groupe, et pour faire le point sur l'avancement et l'implémentation de votre système d'information, et ajouter toujours et des questions ou bien une section sur la sécurité de votre système. C'est toujours très important. Plus vous en discutez, mieux vous allez optimiser ce plan de sécurité. Et déjà, avec juste ces 3 étapes énumérées, et la déclaration de sécurité que vous allez élaborer, et la nomination des responsables de la sécurité qui est suivie, et l'ajout d'un ordre du jour sécurité dans vos réunions, rien qu'avec ces 3 aspects déjà, vous allez déjà commencer à gérer de manière plus intéressante la sécurité de votre SI. C'est déjà un bon début. Et il y a bien sûr beaucoup d'autres aspects qu'il faut en prendre compte au fur et à mesure, mais ça, c'est déjà un bon point de départ. Vous avez déjà quelque chose sous la main, quelque chose de conséquent qui est en train de démarrer. Donc, en résumé, dans votre déclaration de sécurité, vous allez définir une section portée de votre plan de sécurité. Et dans ce plan, vous allez spécifier sur quoi ou bien qu'est-ce qui couvre ce plan de sécurité. Est-ce qu'il s'agit juste de votre programme d'accueil que vous implémentez, exemple un programme COVID sur le DHS2? Est-ce qu'il s'agit de tout votre système DHS2 que vous gérez? Ou bien est-ce qu'il s'agit simplement de tous les systèmes d'information qui se trouvent dans votre département informatique? Et DHS2 pour tout le système. Et deuxième section que vous pouvez détailler dans votre plan de sécurité, c'est les principes. Et donc, les principes, c'est différent. Votre ministère est le gardien des données qui sont stockées dans le système. Et vous allez gérer comment se passe la copie des données ou bien l'envoi des données au bailleur. Et quelle est la politique du cybersécurité du gouvernement? Est-ce que vous êtes en norme avec cela? Etc. etc. D'accord? Donc, tous ces détails, vous les mettez dans les principes, dans la section principes de votre plan de sécurité. Et troisième section, vous pouvez mettre par exemple les actions et les engagements. D'accord? Comme on a dit tout à l'heure, il vous faut forcément nommer un responsable du système d'information pour la sécurité du système d'information. Et vous devez mentionner comment se passe votre plan de sauvegarde. Donc, à quelle fréquence faites les backups? Est-ce que les sauvegardes sont testées pour voir si elles sont viables? Et ce n'est pas la peine de faire des sauvegardes pendant 3 mois et après se rendre compte que tous ces sauvegardes étaient erronées, s'il n'y avait personne pour les tester. Donc ça, c'est vraiment catastrophique. Et vous devez développer, bien sûr, une routine pour la maintenance du système. Nous en avons parlé lors des sessions précédentes. Et il faut que vous ayez un plan défini quant à la mise à jour de votre système, l'application des patchs ou bien la mise à jour vers les versions supérieures. Et vous devez vous assurer que l'installation de votre système correspond bien aux normes, c'est conforme. Et on a les bonnes logiciels, les bonnes architectures, tout ça là. Donc, vous assurez que tout est bien respectueux des normes et des conventions. Vous devez avoir quelque part où vous reportez les différents incidents que vous rencontrez dans votre système et qui surviennent. Donc, ça vous permet d'avoir une certaine expérience dans la gestion de certaines crises. Et ça peut être très utile aussi de l'implémenter ou bien de mettre ces solutions de gestion des finances dans les manuels de formation, si vous en avez à faire, et au niveau utilisateur comme au niveau administrateur.
Et un aspect aussi qui est très important, vous devez spécifier comment vous répondez aux incidents. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si le serveur est out? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui est chargé de le faire? En combien de temps ça va être fait? Et qu'est-ce qui se passe si vous perdez toutes les données d'une base? Et qui est chargé de faire la restauration? Est-ce que nous avons les backups? Où sont-ils? Et ce sera tout ça là. Donc, il faut avoir un plan bien défini et pour répondre à des incidents ou une catastrophe qui peut survenir. D'accord? Et la gestion des utilisateurs est très, très importante. Vous devez vous assurer que chaque utilisateur a le rôle dont il a besoin dans le strict minimum. Et assurez-vous qu'un utilisateur n'a pas plus de rôle qu'il n'en a besoin. Parce que on le sait bien, quand vous donnez plus de rôle, plus de pouvoir à quelqu'un, bah, il va jouer avec ses pouvoirs. Et s'il n'est pas un admin, il est quelqu'un qui fait, comment dire, qui fait un peu les aides à votre système, déjà, ça met en danger l'intégrité de vos données. OK? Et quand vous rédigez ce plan de sécurité du SI, et il faut que ce soit de manière formelle. Et ça permet de donner, disons, un mandat à votre gestionnaire de SI. Ça donne un aspect légal et à ce que doit faire votre responsable de la sécurité du SI. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas être rédigé. La gestion de la sécurité, c'est bien sûr un travail très délicat. Ça requiert beaucoup de capacités organisationnelles, communication et technique. D'accord? Et vous n'êtes pas forcé de confier la responsabilité de la sécurité du SI à un administrateur système. D'accord? Et généralement, on aime avoir un œil extérieur lorsqu'il faut faire cette expertise, mais ce n'est pas forcément l'administrateur système qui est l'interprète. Ça peut être qu'il ne fait pas le système, mais ce n'est pas justement. Bon. Et il existe des professionnels, si vous voulez, qui sont beaucoup qualifiés sur ce travail. Et vous pouvez soit recruter un dans votre équipe, ou simplement même pour consulter peut-être une consultation externe, un cabinet, ou bien même un de vos partenaires externes, quelqu'un qui a la compétence, ou qui vient vous faire un peu l'analyse. Ou bien l'état de la sécurité de votre système. Et commencez toujours tout simplement, et plus simplement possible, petit à petit, votre plan sera optimisé. Et cela ne nécessite pas forcément des compétences techniques pour faire la gestion de la sécurité, et puisque généralement, ce n'est pas vous et qui mettez en place le plan de sécurité, de faire la configuration du serveur et gérer l'utilisateur, voir si les données sont traitées, etc. Donc, très aspect technique, ce n'est pas généralement vous qui le faites. Il y a toujours vos collègues, vos collaborateurs, certains qui sont spécialisés pour chaque tâche, ou bien qui est bon dans l'attribution de chaque tâche. Donc, vous n'êtes pas obligé, en tant que gestionnaire mais responsable, d'avoir des compétences techniques d'entamer et de faire la gestion de la sécurité de votre système. Vous allez juste vous assurer que tout le monde fait son travail comme il faut, de manière coordonnée, et pour sécuriser votre système. Donc, les trois couches. Donc, de prendre en compte pour la sécurité de votre système d'information. Première couche, c'est de type organisationnel. Et comme on l'a déjà dit, vous devez disposer des responsables de la sécurité de votre SI. Et vous devez avoir une définition claire de comment vous faites le partage des données avec vos différents partenaires. Et est-ce que c'est via un compte limité? Est-ce nécessaire de donner un compte à votre partenaire? Pour la plupart des cas, pas vraiment. Donc, vous devez avoir quelque chose qui définit clairement comment se passe ce partage de données. Et est-ce qu'il y a des conventions, des normes? Et quant à la divulgation des données, puisque là, nous parlons bien sûr des données à caractère privé, donc c'est assez sensible. Et est-ce qu'il faut faire signer une clause de confidentialité aux utilisateurs? Donc, tous ces aspects, on va prendre en compte au niveau organisationnel.
Et la question aussi que de vous poser au niveau organisationnel, c'est est-ce que la sécurité fait-elle partie de tous les supports de formation de tous les niveaux? D'accord? Et ceci dit, si vous devez faire des formations, que ce soit au niveau utilisateur ou pour les formateurs eux-mêmes ou pour les administrateurs, et il est toujours intéressant d'avoir l'aspect sécurité, tout à fait manuel ou bien dans ses agendas de formation. C'est toujours très utile. Donc, l'aspect sécurité au niveau des utilisateurs, comme il y a des trucs simples, donc vous pouvez aborder, du genre ne pas écrire son mot de passe et le coller à côté de son écran. Ça, on a déjà vu des choses comme ça. Et ne pas laisser sa session ouverte et confier la machine à quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est des petits aspects de sécurité qui ont leur importance. Et deuxième couche, application. Et vous devez analyser votre système, voir est-ce que vous ne collectez pas trop de données à caractère privé, et des données qui permettent d'identifier des personnes, nom, prénom, âge, numéro de téléphone, etc. Et est-ce que vos rôles sont bien impartis au niveau des différents groupes d'utilisateurs, et pour qu'ils ne voient que ce dont ils ont besoin. Bon. Et vérifiez par exemple si un utilisateur qui n'est pas par exemple du programme VIH et n'a pas accidentellement accès aux données ou bien au tracker VIH. Donc, c'est des trucs que vous devez vous assurer. Et vous devez aussi vous poser la question de savoir et comment les utilisateurs sont ajoutés et supprimés dans le système. D'accord? Ça, nous allons revenir en détail tout à l'heure, c'est très important. Et il vous faut peut-être un manuel de procédure qui définit quand on supprime un utilisateur ou bien quand on ajoute un utilisateur. Et autre question, comment vos métadonnées sont-elles gérées? D'accord. Si vous devez ajouter un indicateur dans votre système, comment ça se passe? Et vous passez juste un coup de fil à l'utilisateur, dire, bon, tiens, ajoute-moi cet indicateur, ou bien comment ça se fait? Il doit y avoir quelque chose, un document clair qui définit quelle est la procédure de mise à jour des métadonnées dans votre système. Troisième couche, la technologie. Et est-ce que la configuration du serveur répond néanmoins aux normes convenues? Et vous pouvez voir si ça correspond un peu au benchmarking et de comment installer les logiciels, comment les sécuriser. Et votre plan de sauvegarde, est-ce qu'il fonctionne très bien? Avez-vous les sauvegardes sur une période assez suffisante pour recouvrir en cas de catastrophe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait les tests réguliers de backup, etc., etc.? Et est-ce que la surveillance du système est-elle bien faite? Est-ce que c'est suffisant? S'il y a des manquements ou des failles, vous devez les combler. Et sur la question de l'appareil et la gestion aussi de vos appareils, et en particulier les appareils mobiles, et dont vous avez plusieurs, vous avez des dizaines, des centaines, voire des milliers de smartphones que les utilisateurs utilisent pour faire la saisie des données. Qu'en est-il de la gestion? Est-ce qu'il y a un agenda de mise à jour? Est-ce qu'il y a un moyen de notifier tous ces utilisateurs lorsqu'il y a un petit changement? Comment se fait la rétroformation? Et ou bien la mise à jour lorsque certaines choses changent. Et bien, nous avons un petit Mentimeter avec juste quatre questions que vous pouvez vous connecter et faire y répondre. Ça vous permettra d'avoir une aperçu statistique. Et vous avez le lien et le code du Mentimeter en dessous de ce slide. Et donc, vous avez juste à répondre à ces questions. Un, avez-vous un plan de sécurité pour votre tracker que vous implémentez à votre niveau? En deux, avez-vous dans votre équipe un membre qui est responsable de la sécurité ici, donc un responsable de la sécurité. Et votre plan de sauvegarde est-il documenté? En niveau 1, est-il bien documenté? Et quatrième question, à quelle fréquence faites-vous l'objet des audits? Est-ce que c'est jamais? On n'a jamais pensé à ça, donc il n'y en a pas. Et il y a un plan, mais c'est annuel, c'est une fois dans l'année, ou c'est ponctuel, c'est occasionnellement. Peut-être au besoin, on se précipite, on fait un audit rapide. Donc, merci de répondre à ces questions au niveau du Mentimeter. Nous pourrons ensuite partager le résultat. Féminin sondage. OK, j'espère que tout le monde a pu noter le code. 9702 77 94.
copier dans le chat, tu vas copier. Ah, vous voulez que je le tape dans le chat? Ok. Un instant. Ok, donc passe au slide suivant. Quelques réflexions concernant les utilisateurs de votre système. Concernant le processus d'ajout des utilisateurs, généralement, on remarque quand même un processus qui est là, quelque chose qui est défini au niveau des pays. Il faut ajouter peut-être un utilisateur, on va appeler tel administrateur, et qui va checker, voir peut-être avec le responsable local la pertinence que cet utilisateur en écrit. Mais ce qui est amusant souvent, et il y a bien sûr ce plan pour acheter les utilisateurs, mais pour les supprimer ou les désactiver, généralement, il n'y en a pas. On ne pense pas souvent à ça. C'est plus facile d'ajouter quelqu'un, mais le supprimer ou le désactiver, et généralement, il n'y a pas de plan ou bien personne ne le fait. D'accord? Il est possible, ou bien le plus souvent, ce qu'on constate, c'est que quand vous avez un système qui fonctionne depuis un moment et qu'on essaie d'analyser et les utilisateurs que vous avez dans vos systèmes. Et on se rend souvent compte que 30% de ces utilisateurs sont soit décédés, soit ont quitté déjà votre service il y a longtemps. D'accord? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des utilisateurs en fait des fantômes dans le système qui n'ont pas à y être. Et il faudrait penser à les nettoyer. D'accord? Maintenant, au pire des cas, ce qui peut aussi arriver, c'est que vous remarquez que les utilisateurs supposés décédés se connectent encore dans votre système. Donc déjà, si ça arrive, comprenez tout de suite qu'il y a un problème à votre niveau et au niveau de votre système. Peut-être une clé déjà compromise si vous ne le sachez pas. D'accord? Et désactiver systématiquement les utilisateurs qui ne sont plus dans le service ou qui sont décédés. Et souvent, cette désactivation nécessite aussi que vous coordonnez avec les ressources humaines. Et parce que vous êtes obligé d'appeler et demander à cet utilisateur, est-ce qu'il est encore chez vous? Et est-ce qu'il a une activité? Est-ce qu'il a une retraite? Est-ce qu'on peut le supprimer, etc., etc. Donc, ça demande souvent que vous fassiez des échanges avec les ressources humaines pour vous assurer de la suppression, de la nécessité de supprimer cet utilisateur. Et cela n'est jamais facile, bien sûr, vous l'avez tous compris. Et ça peut même prendre du temps. C'est ça. Et en plus des processus d'audit, d'analyse des utilisateurs au niveau local, et il est aussi intéressant de confier la tâche de gestion de ces utilisateurs au niveau personnel ou bien au niveau administratif. D'accord? Et vous pouvez, par exemple, lors des réunions, faire un point sur les utilisateurs et chaque responsable d'un centre, ou d'un district ou bien d'un département peut faire le point sur les utilisateurs qui sont dans son département. Il peut dire, par exemple, tel utilisateur n'est plus forcément dans mon service ou bien a quitté ce service et peut-être son rôle doit changer, il ne doit plus avoir accès à telle ou telle chose, etc. Tel utilisateur est à la retraite, on peut le supprimer. Tel utilisateur est malheureusement décédé, on doit supprimer son compte, etc., etc. Donc, si vous faites ces mises au point dans les certaines réunions périodiques où chaque responsable ou bien un point focal fait le point sur les utilisateurs, ça vous facilite beaucoup et la maintenance et à jour de la liste des utilisateurs. Donc, ça peut être très intéressant. Et les comptes créés aux partenaires, il faut être très prudent avec ces comptes. Et vous avez un partenaire, c'est un grand donateur, il fait beaucoup de choses, mais ça ne veut pas forcément dire que vous devez lui donner un compte super attendant. Il faut que les accords soient bien clairs sur la nature des données que vous partagez entre vous, comment ça se fait,
Et donc, c'est très, très important. Quelques réflexions concernant les audits. Donc, ce qu'il faut déjà comprendre, l'audit se distingue d'un simple rapport où on intègre la sécurité. L'audit, c'est quelque chose qui est plus, comment dire, qui est plus procédural, qui permet de réellement de voir comment vous gérez la sécurité à votre niveau. Et il ne suffit pas juste de venir dire « Ah bon, le serveur est sécurisé, le programme marche très bien, les utilisateurs ont un mot de passe, c'est parfait, ça suffit. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et un audit, c'est quelque chose qui est plus procédural, plus complet, plus abouti, qui permet réellement de connaître l'état de sécurité de votre système. D'accord? Et pour faire un bon audit, il faut déjà que vous ayez un plan de sécurité qui est là et qui permet de faire le fait que cet audit. Donc, à partir de votre plan de sécurité, on peut vérifier chaque point pour voir si est-ce que sur ce point, vous êtes en ordre et c'est bien appliqué, etc., etc. Et si vous avez les moyens, vous pouvez même payer un cabinet ou un audit. Donc, vous pouvez demander une aide extérieure ou bien un appel extérieur pour venir faire l'audit de votre système. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand ça vient de l'extérieur, l'analyse est vue sous un autre angle. Et c'est plus, disons, ce serait plus pertinent et plus pointu. Et au sein du gouvernement, peut-être dans votre pays, vous pouvez avoir quelqu'un qui fait souvent les audits, ce type d'audit sur la sécurité dans les différents départements ou ministères. Donc, vous pouvez, s'il en existe, peut-être en profiter aussi, faire la demande pour qu'il vienne faire cet audit à votre niveau. Et bon, ce qu'on remarque souvent, c'est que ces experts nationaux ne sont pas souvent habitués à faire des audits dans les systèmes tournant sur Linux, notamment par exemple sur le DHSQE ou autre chose. D'accord? Donc, ça peut être un petit challenge, mais néanmoins, leur expertise reste toujours la bienvenue. Et vous pouvez aussi demander, par exemple, si vous avez des partenaires ou des collègues qui sont dans nos départements. J'ai envie d'être dans l'ISP, un autre ISP, vous pouvez demander à vos collègues d'un autre ISP de venir faire, par exemple, l'audit chez vous. Donc, ça peut permettre de voir certaines choses dans le temps. L'Université d'Oslo peut contribuer pour un bref outil, bien sûr, dans les limites possibles. Parce que ça peut être très bon après. Et concernant la budgétisation, planification, donc nous allons voir déjà les aspects pour lesquels vous devez déjà penser à la budgétisation parce que c'est coûteux. Et déjà sur votre plan de sauvegarde, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous implémentez un tracker, ce n'est pas juste ça la difficulté, les choses ne s'arrêtent pas là. Et mettre en place un tracker, acheter un serveur, et c'est juste une partie des difficultés. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la maintenance à long terme de votre système, et de votre serveur, et de votre tracker. D'accord? Donc, sur la restauration, par exemple, la sauvegarde, plus votre premier point de sauvegarde est très éloigné, et supposons que j'ai commencé les backups il y a 3 ans, et que, en plus, l'intervalle de génération de mes backups sont rapprochés, plus le coût sera élevé. D'accord? Et juste un petit exemple rapide. Si je fais, par exemple, un backup journalier, donc c'est très rapproché, et que je le fais depuis plus de 3 ans, donc déjà vous imaginez la quantité de backups que j'ai généré, que j'ai stocké dans mon système. D'accord? C'est très, très élevé. Et les autres éléments à budgétiser, les formations, d'accord? Et vous demandez à votre personnel de gérer la sécurité, et vous nommez responsable de la sécurité de votre SI, mais il est aussi intéressant de les former et de les recycler ou bien de les mettre à jour sur les bonnes pratiques de sécurité, d'accord? Donc, ces formations, c'est quelque chose pour lequel vous devez aussi penser à budgétiser. Et nous avons bien sûr les activités de gestion de la sécurité.
Donc, si vous avez à faire, par exemple, des ateliers d'évaluation et avec plusieurs parties prenantes, et ça, c'est des choses que vous devez budgétiser. Et concernant les audits, nous en avons parlé tout à l'heure. Si vous avez besoin de faire la demande à un cabinet ou un consultant de venir faire l'audit de sécurité de votre système de formation, et c'est coûteux, ce n'est pas gratuit forcément, donc c'est quelque chose que vous devez penser à budgétiser. Et résumer quelques axios selon notre expert en station serveur Bob Toslo. On ne peut pas dire que, par exemple, dans votre pays, lorsque vous ne désignez pas un membre senior de votre équipe comme responsable de la sécurité, c'est que vous ne prenez pas la sécurité de votre système au sérieux. D'accord? Donc, généralement, le profil d'un responsable de la gestion de la sécurité du SI doit être senior. C'est quelqu'un qui est depuis longtemps dans votre système de formation, qui a participé à ton implémentation, qui sait comment il fonctionne et qui est mieux habilité à identifier les gaps ou bien les failles de sécurité éventuelles. Bref, c'est le profil le plus approprié pour un gestionnaire de sécurité du SI. Donc, si vous avez nommé quelqu'un entre griffes et novice, c'est que vous ne venez pas pour sauver la sécurité du SI. Vous devez forcément disposer d'un plan de sécurité du SI bien défini, bien écrit, de manière formelle. Et ça donne du poids, ou bien ça donne un côté légal à la chose. Et c'est très important. Et vous pouvez l'améliorer au fil du temps. Donc, il faut toujours déjà commencer par les aspects dont on a abordé au début du slide. C'est une ébauche, c'est un début. Mais au fil du temps, vous-même, vous allez continuer par l'étayer, par ajouter de nouveaux aspects, de nouvelles modalités ou bien de nouvelles possibilités, etc. Donc, plus le temps passe, plus votre plan sera plus abouti, plus optimisé. Et c'est un processus qui est très cyclique. Et donc, chaque fois que vous revenez sur une procédure, vous pouvez ajouter quelque chose pour l'améliorer. D'accord? Et sécuriser un programme tracker, ce n'est pas quelque chose qui est typiquement technique. Et disons, ce n'est pas lié à des implémentateurs, développeurs, administrateur, serveur, il n'y a pas que ça, d'accord? Et l'une des aspects de la sécurité, c'est les utilisateurs, d'accord? Et c'est quelque chose qui est très souvent négligé, mais qui a son importance. Et les utilisateurs doivent savoir les bonnes pratiques et entre les petits gestes, les petits outils qu'ils doivent faire souvent pour assurer la sécurité du SI, garder la confidentialité, ne pas partager le mot de passe, etc., éviter de porter des données ça et là aux gens, tout ça là. Donc, la sécurité, c'est d'abord les utilisateurs aussi. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez, par exemple, faire sous-traiter. Si vous n'avez pas peut-être la compétence au sein de votre équipe, vous pouvez sous-traiter les oublis, par exemple, ou bien peut-être la maintenance d'un système, etc., etc. D'accord? Et comme je l'avais dit tout précédemment, et si vous êtes gestionnaire et que vous devez implémenter un plan de sécurité, vous n'êtes pas obligé d'être un expert en administration système Linux, un expert en administration DHCP. Déjà, vous prenez juste l'initiative de mettre en place le plan et de vous assurer que toute l'équipe ou bien tous les différents acteurs font bien leurs tâches et que tout est bien coordonné pour aller vers et le respect de votre plan de sécurité. Et l'audit, c'est forcément très intéressant, mais on peut voir que souvent il y a un peu de réticence à demander un audit, c'est douloureux. Et bon, comme on le dit en exemple, c'est comme quand vous allez chez les dentistes, ce n'est jamais agréable, mais c'est très bon pour vous. D'accord? Et ça vaut la peine, et à court comme à long terme.
Merci à tous. Je pense qu'on est arrivé au bout de ce slide. Et j'espère que tout le monde a pu répondre au Mentimeter. Donc, nous allons avoir l'occasion de voir les résultats de ce Mentimeter. Je pense qu'on a fini au moins quelques minutes à l'avance. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser dans le Slack. On va déjà commencer par les voir. Merci.